Most Pendergast úr asszony következik. Je vous remercie. Je donne la parole à Madame Pendergast. Merci. Les PME sont les plus grands employeurs et ils ont assumé le plus gros de la crise. Et cette perte de possibilités sont surtout ressenties dans les pays qui ont été le plus durement frappés par la crise, parce que là, il y a un risque de défaut et un coût d'emprunt plus élevé pour les PME. La Banque centrale européenne a offert au secteur financier un degré d'aide sans précédent. On l'a vu avec l'assistance d'urgence pour les liquidités canalisée par les banques centrales nationales. Et pourtant, cet argent du contribuable n'a pas été utilisé pour générer la croissance et l'emploi. Les petites entreprises, les ménages ont été spoliés par ces délinquants, par ces banques qui ont gardé l'argent pour elles. On a besoin de lignes de crédit pour les entreprises. La BCE et la Troïka n'ont pas beaucoup insisté pour que les banques mettent au meilleur taux ces lignes de crédit pour les PME. Donc, Monsieur Draghi, est-ce que vous pourriez faire preuve davantage de force et offrir des lignes de crédit directes pour véritablement que l'économie réelle puisse en bénéficier? Je vous remercie. Je donne la parole à Monsieur Pachka. Je vous en prie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Banque Centrale Européenne, dans votre intervention, vous nous avez dit, Monsieur, que l'économie fragmentée dans la zone euro